President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The floor is given to the co-prosecutor. La parole est au co-procureur. Merci, monsieur le président. Madame le témoin, je voudrais qu'on parle de Wat Barai Chondek. Witness, I would like also to talk Est-ce que about cette pagode Barai Chondek se trouve encore sur le territoire de votre village de Tro, dans Is la commune de Balang? Is that pagoda still in your village, Tro, in Balang commune? Answer. Barai Chondek is La pagode in Tro village, Balang district, Balang 104 rather. Barai. Est-ce qu'elle était proche de l'endroit où vous travaillez sur le site de construction du barrage Was du 1er janvier? To the place where you were working at the 1st January dam work site. The 1st January dam work site was a bit away. From this Le pagoda, it was perhaps 1.5 kilometers away from that pagoda. Je voudrais lire ce que vous avez dit à la page 2 de votre procès-verbal d'audition D166-18. Page 2 en toutes les langues. On vous a demandé ceci. Vous souvenez-vous qu'il y avait des évacuations? Vous avez dit, moi je n'ai pas été évacué. Cependant, certains habitants de Kampong Cham ont été évacués à la pagode de Barai Chondek et y ont ensuite été exécutés. Je n'ai pas vu d'exécution car il était interdit d'y entrer. Cependant, les cadavres dégageaient une odeur nauséabonde jusqu'à l'extérieur de la pagode. Fin de citation. Je vais essayer de clarifier les choses avec vous. Parce que pour moi, ce n'est pas tout à fait clair. Vous avez dit que des habitants de Kampong Cham avaient été évacués à la pagode. Que voulez-vous dire? Est-ce qu'ils ont directement été amenés là? Ou bien est-ce qu'ils ont d'abord travaillé dans votre village, votre commune, ou sur le site du barrage du 1er janvier avant d'arriver à Wat Barai Chondek? Answer. These people had been evacuated from Kampong Cham province. They were transported by a vehicle and ox carts into Barai Chondek Pagoda. I saw they came into the pagoda and Je les ai vus arriver à la pagode. They came at night time and after they arrived at the pagoda the scene was silent. Et il n'y avait aucun bruit sur le site de la pagode. The people from that province did not go to work at the dam work site. Ne sont pas they allés were brought into the pagoda. Ils ont été amenés à la pagode. Pourriez-vous nous dire si cette pagode servait de centre de sécurité et pendant combien de temps elle était opérationnelle entre 1975 et 1979? Pourriez-vous répéter s'il vous plaît? Je n'ai pas bien compris votre question. Oui, est-ce que cette pagode Barai Chondek a servi de centre de sécurité où on exécutait les gens, comme vous l'avez d'ailleurs dit dans votre déclaration? Et si oui, pendant combien de temps elle a servi de centre de sécurité entre 1975 et 1979? Answer. The pagoda was turned into a security center. La pagode a été transformée en centre de sécurité.
And it was also used as a workshop at that time. On l'a également utilisé comme atelier à cette époque. Prisoners were arrested and detained in that security center. Some were killed, some were released. Certains ont été exécutés, d'autres ont été libérés. And as for the people who were transferred from somewhere else into that security office, les gens qui arrivaient dans ce centre de sécurité, they were killed. Qui venaient d'ailleurs étaient exécutés. Dites-nous si vous savez ou si vous ne savez pas, dites-le également. Si des gens know, qui travaillaient sur le site du chantier du 1er janvier on the 1st January dam work site ont été exécutés dans cette pagode, dans ce centre de sécurité. Pagoda, in that security center. I have no knowledge of regarding the workers at the dam site. I have no idea where they were taken and killed. Je ne sais pas s'ils ont été emmenés ni exécutés. Est-ce que vous savez si parmi les gens qui ont été exécutés à Wat Barai Chantek, il y avait among des those Cham executed at qui étaient venus de Barai Kampong Cham? Chandek Pagoda were Cham from Kampong Cham. I noticed that people were transported in large groups. J'ai simplement remarqué I did not que know le whether de they were Cham or Chinese. Je ne sais pas s'il s'agissait de Chinois ou de Cham. Vous avez dit quelque chose que je voudrais également clarifier you avec said vous. Also like you à la page 3 de votre procès-verbal en français, 2 en anglais et 3 en khmer. In French, two in English, vous avez dit ceci. Certains gardes du pont, par exemple des Cham, ont été portés disparus, instance, mais je n'en connais pas la raison. Were reported as missing, but I do not know je voudrais why. Savoir si, selon vous, il y avait des Cham qui faisaient partie des gardes please tell us, du site du 1er janvier, Cham, ou bien les Cham faisaient partie des travailleurs. On the 1st January dam work site, or the Cham were there as workers. Cham nung ku kong chalat neri neri te dai bat khluon nung neri leu. Cham, who was the there was a one a Cham person. Female, il y avait une femme. Cham. She disappeared. Elle a disparu. D'accord, cette femme était-elle une ouvrière ou bien faisait-elle partie des miliciens ou des gardes? Workers, or they were among the militiamen and the guards, or they were militiamen and guards. This female was put in a mobile unit. Cette femme avait été placée dans une unité itinérante. Est-ce que vous savez pourquoi elle a disparu? And peut-être do you know why vous souvenez-vous de son nom également? Do you also remember that person's name? Khnyom mendang mul hai pi de. I did not know the reason why she disappeared. She was called. Je ne sais pas pour quelle raison elle a disparu. And taken away. Elle a été and appelée after that time, et she disappeared. Elle a disparu. Her name was Yan. Elle s'appelait Ya. She was Cham. Elle était Cham. Est-ce que sur le site du chantier les Cham avaient-ils le droit de pratiquer leur religion ou de s'exprimer dans leur propre langue? The work site have the right to practice their religion or to speak their languages. No, she spoke only Khmer language. Non, elle ne parlait que le Khmer. Est-ce que les Cham pouvaient conserver leurs vêtements traditionnels et notamment les femmes? The Cham, pouvaient-elles porter leur foulard? The women continue to wear their traditional attire, and in the case of women, could they continue to wear their scarves? Answer, no, she wore
my clothing. Non, elle portait des vêtements khmer. Autre sujet, dans votre région, votre village de Tro, la commune de Baleng, votre district de Barai, est-ce qu'il y a eu des changements qui ont été opérés were there any changes vers 77 ou 78 au niveau des cadres? At the level of the est-ce que des cadres ont été purgés, ont été remplacés par d'autres cadres? Cadres purged and replaced by other cadres. Answer, no. Non. Je voudrais vous lire ce que Kepik Vanak, le fils de Kepok, chef de la zone, a dit aux enquêteurs des juges d'instruction. C'est le procès verbal E3/35. À la page 7 en français, 8 en anglais, 7 en khmer. Il est décédé aujourd'hui, mais il a dit ceci, je cite, « À l'arrivée des personnes du sud-ouest, des purges ont eu lieu du niveau du district jusqu'au niveau du village. Après l'arrivée des personnes du sud-ouest, Tapoch était le chef du district de Barai. » Donc vous confirmez, vous n'avez pas vu de gens du sud-ouest venir dans votre région occuper des fonctions de direction? Come to your region to occupy positions as cadres. Answer: I have no knowledge of. Non, je ne sais pas. I do not know. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez entendu parler de ce dénommé Tapoch? Did you hear that person? Tapoch, comme chef de district de Barai. The chief of Barai district. Answer, I heard of the name, but I did not know this person. J'ai entendu prononcer ce nom, mais je n'ai pas connu cette personne. Sur le chantier, est-ce que vous pourriez nous dire si vous-même vous aviez le droit de pratiquer votre religion? You yourself had the right to practice your religion on the work site. Answer, no, I never practiced my religion. Je n'ai jamais pratiqué ma religion. Est-ce que c'était interdit? Was it forbidden? Okay. Answer, it was forbidden to practice any religions. Il était interdit de pratiquer quelque culte que ce soit. And we even could not hold any rituals. Nous n'avions pas le droit d'organiser des rituels. Est-ce qu'on vous a dit lors de réunions si were you told during meetings, il y aurait des conséquences whether en cas de pratique de there la religion? Consequences. Qu'est-ce que vous risquiez si vous le faisiez? In the case of any people who practice their religions, what did you risk if you practiced your religion? We were not allowed to practice any religion, so we nous had to pas le droit comply de pratiquer with the quelque religion que ce soit. Instruction. Nous devions respecter les ordres. Est-ce que durant toute la période où vous étiez sur le chantier de la construction du barrage du 1er janvier, est-ce que vous étiez donc totalement soumise aux ordres et aux instructions qui vous étaient transmises par vos chefs? Subject to the instructions that were handed down to you by your leaders. Had to adhere and respect my leader, and if je devais respecter not, mes dirigeants, I would be refashioned or I would be worn sinon, and disciplined. Sinon, je risquais d'être reforgé, de me voir imposer des mesures disciplinaires. Vous parlez d'être reforgé ou d'être, de se voir, de vous voir imposer des mesures disciplinaires.
you're talking of being quel genre de mesures disciplinaires pouvaient-elles être imposées lorsque measures. Vous ne respectiez, si vous ne respectiez pas les ordres des chefs imposed on you if you did not abide by the orders of your leaders? Answer. I would receive verbal reprimand and I was instructed to make a commitment that I had to come to work on time and did not go anywhere else. De m'engager à aller au travail à l'heure et de ne pas aller ailleurs. Je sais que vous n'êtes pas resté si longtemps sur le site, 4 ou 5 mois, vous avez dit. Est-ce que vous avez connu un dénommé Try, venant également du village de Tro et qui aurait été puni? Answer. I knew this individual by the name Tri. He was young at that time. He was about 14 or 15 years old. His name was Tri. I knew this guy. 15 ans à l'époque, il s'appelait Tri. Je l'ai connu. Et je ne sais pas si on parle du même Tri. Est-ce que c'était quelqu'un qui a travaillé sur le site du barrage le 1er janvier? Et savez-vous ce qui lui est arrivé si on parle de la même personne? On the 1st January site. And if we are talking about the same person, do you know what happened to him? Answer. I did not know exactly who was Tri, and I did not know what happened to him. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais est-ce qu'il travaillait sur le site de construction du barrage du 1er janvier? But was he working on the 1st January dam construction work site? Answer. Yes. Oui. He carried soil. Il transportait de la terre sur le chantier. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'en moyenne, les gens avaient environ 20 ans ou plus. Ici, vous parliez d'une personne qui avait 14 ou 15 ans. Est-ce qu'il y avait d'autres jeunes comme Tri sur le site du chantier? Were there other people as young as Tri working on that work site? Answer. Not many of them. There was only one person. Il n'y en avait pas beaucoup. He was three living in Tros village. Une personne qui s'appelait Tri vivait dans le village de Tros et qui était jeune à l'époque. Est-ce que vous avez revu cette personne après 1979? Est-ce que cette personne a survécu au régime? Did that person survive the regime? No, he disappeared. Everson. Non, il a disparu. Est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit à propos des motifs? Did you hear anything de disparition de Tri et de l'endroit où il aurait été amené, où il aurait disparu? Where he may have been led to, or where he may have disappeared. J'ai entendu dire que Tri avait été emmené et exécuté. Il devait monter la garde auprès du pont. Est-il correct de dire que lorsque les travailleurs devaient se soulager, faire leurs besoins, ils s'éloignaient du chantier pour aller dans les forêts environnantes? They would leave the work site and go into the neighboring woods. Yes, that is true. Oui, c'est exact. During the
time that we were working at the work site, we relieved ourselves in the forest because there were no latrines. Est-ce que les gardes du chantier vous surveillaient ou vous disaient de vous dépêcher lorsque vous étiez dans la forêt? Watched by the guards who told you to hurry up while you were in the woods, relieving yourselves? Answer, no. 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 The guard would stay at their own places. Les gardes restaient à l'endroit où ils étaient. Est-ce que dans les forêts avoisinantes, vous auriez vu woods, que des gens du chantier étaient détenus dans une ou des cages faites de petits bois? From the work site were detained in small cages made with tree branches. I have never seen it. I did not go deep into the forest. Je ne l'ai jamais vu. Je ne suis jamais allé très profond dans la forêt, très loin dans la forêt. Est-ce que des gens en auraient parlé dans votre unité qu'il y avait une cage qui existait le village of où on pouvait enfermer les gens afin de rééducation? Cages in which people could be detained for re-education purposes. I did not know. No one told me about cages. Je ne sais pas. Personne ne m'a parlé de cages. I did not know. Je n'étais pas au courant. Bien. Dernier sujet. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que lorsque des gens du niveau supérieur, de l'échelon supérieur, venaient visiter le chantier, on vous faisait travailler plus dur et vous deviez courir. Est-ce que vous avez jamais vu sur le chantier des étrangers visiter le site de construction? Et quand je parle d'étrangers, je parle de Chinois, de femmes laotiennes ou de femmes vietnamiennes. Chinese women and Laos women who came to visit the worksite. I never saw it. Because my workstation was far from the place where the senior people came to visit the worksite. As I stated, I was working far from that place. Merci, je n'ai plus de questions. Je vais laisser la parole aux parties civiles, monsieur le président. I will now give the floor to the civil parties, Mr. President. President, you may now proceed. Lead co-lawyer for civil parties. Les co-avocats principaux pour les parties civiles ont la parole. Merci, monsieur le président, et bonjour à tous. Thank you, bonjour, Mr. Madame President. Le témoin. Je m'appelle Marie Guiraud et je suis avocat des parties civiles. My name is Marie Guiraud. I am J'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui. Some questions to put to you today. Vous nous avez très brièvement indiqué un petit peu plus tôt dans la matinée que vous vous étiez marié à un moment pendant la période du Kampuchea démocratique. En quelle année, et si vous vous en souvenez, quel mois vous êtes-vous marié? And in which month were you married? I got married in 1967. Je me suis mariée en 1967. I did not recall the exact date. Je ne me souviens pas de la date exacte. I could only recall that I got married in 1967. Je me souviens simplement que je me suis mariée en 1967. 1977, said the witness. Ou plutôt 77, dit le témoin. Je vous remercie. Qui a organisé le mariage? Who organized the marriage?
Answer, it was Anka arranged C'est l'Anka my marriage. Qui a organisé mon mariage. There were 25 couples in that marriage. Il y avait 25 the marriage ceremonies qui sont mariés were cette held occasion. In another village, Dong village. La cérémonie a eu lieu it dans le village from Dong. Our own villages. Ce village était assez éloigné de mon village, de nos villages. Chief, the chief of the unit, bond arranged the marriage bond for all of us. A arrangé les mariages pour nous tous. Je vous remercie. Vos parents, à l'époque, ont-ils été associés à la décision During de votre period, chef d'unité de vous marier? Did your parents agree with the decision of the unit leader that you would be married? Le chef de l'unité n'a pas consulté les parents. But both sides of parents had the discussion already before we got married. Mais les parents avaient déjà discuté entre eux avant que nous marions. Connaissiez-vous votre époux avant de vous marier? Did you know your spouse before you got married? Answer. I know him because we live in the same Je village. Je le connaissais Tross parce que village. Nous vivions dans le même village, le village de Tross. Comment avez-vous appris que vous deviez vous marier? Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez appris How que votre chef d'unité avait arrangé un mariage married? Pour que vous vous mariez avec ce garçon du même village que vous? Unit leader that you would be married, that you had to be married to the man from your village. For example, if tomorrow I had to get married, si I would je be devais me marier demain, told one day before that. L'on me préviendrait un jour à l'avance. Si je comprends bien votre témoignage, vous nous dites que vous avez été informé la veille de votre mariage. Est-ce que j'ai bien compris? You have said that you were informed one day before you were married. Is that correct? The day before your marriage. Is that correct? Answer: Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Our parents knew in advance that Nos we were going to get married. Nos parents savaient à l'avance que nous allions nous marier. Vous a-t-on expliqué pourquoi c'était l'encart qui vous mariait, pour reprendre votre propre expression? Why Ankar was marrying you? Anka did not give any explanation to all of us, but perhaps there was a meeting to inform us at that time. Mais I cannot recall it. Mais une réunion nous a informé de cela. Cela dit, je ne m'en souviens pas très bien. Dans quel état d'esprit étiez-vous à l'époque quand vous avez appris la veille de votre mariage que vous alliez vous marier? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez ressenti à l'époque? I
felt that I did not want to get married, but they came to call me. J'ai pensé que je n'avais pas envie de me marier. A few times, and mais I ils had sont to venus go. M'appeler plusieurs fois. J'ai dû y aller. Vous sentiez-vous libre à l'époque de refuser le mariage? To refuse the marriage? Answer, I did not dare to refuse the marriage. And if I dared to do so, I would be accused si of opposing fait, them. On m'aurait accusé d'être en opposition. I would avec be accused of being, get, being against the Anka. Et on m'accuserait d'être I contre had to accept that. Je devais donc accepter. Avez-vous à l'époque connu des femmes ou des hommes comme vous à qui il avait été demandé de se marier et qui ont refusé de se marier? Who were asked to marry and who refused to get married? Answer. No. People in my village did not take the courage to refuse the marriage. Personne dans mon village n'a eu le courage de refuser. Vous avez indiqué tout à l'heure, me semble-t-il, qu'il y avait 25 couples qui ont été mariés. Je voulais vous poser quelques questions sur la cérémonie de mariage. Vous souvenez-vous qui présidait la cérémonie de mariage? Answer. I did not remember it. I did not know who presided over the marriage ceremony. As I told you already, the marriage ceremony took place in Dong Village. It was away from my village. Et c'était loin de mon village. À quel moment de la journée la cérémonie s'est-elle déroulée? Est-ce que vous en avez le souvenir? The ceremony take place? Do you remember? Answer. They came to call me at 2 p.m. and ils when sont we venus arrived at the place, heures. We were sitting in lines. Et and nous at 4 or 5 p.m., they made a speech. Il y a eu un discours qui a été prononcé. And the dinner would be served after the ceremonies. Un dîner a été servi après la cérémonie de mariage. Quand vous dites « ils sont venus me chercher », qui sont ce « ils » qui est venu vous chercher? Who are these people? Who are these « they » who came to fetch you? I cannot recall their names. Je ne me souviens pas de leur nom. I mentioned the name of those who came to call me to attend the ceremony. Dire le nom de ceux qui they sont were from Sankat, a commune level. Ils venaient du Sankat, du niveau de la commune. Avez-vous prononcé des vœux pendant la cérémonie? Et si oui, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on vous a demandé de prononcer case, lors de la cérémonie du mariage? Est-ce que vous en avez le souvenir? Formulate during the marriage ceremony, if you remember. Each of us was asked to make a resolution or a commitment. On a demandé à chacun d'entre nous de prononcer but I myself did not do it. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Why? Vous ne l'avez pas fait? Why didn't you do it?
Because I was not called to do it. In fact, I'd like to clarify the matter in only a representative or the married couples was asked to make a resolution during the meeting, and after that, dinner was served. Devait prononcer cet engagement pendant la cérémonie et aussi pendant le dîner. Et le représentant des couples mariés représentait l'ensemble des couples et parlait au nom des couples. Est-ce que je comprends bien du coup le sens de votre témoignage? Because I want to be sure about your testimony. Yes, indeed, there is a case. The representative was one who represented the 25 newly married couples. Et vous souvenez-vous du vœu qui a été prononcé par ce représentant des 25 couples? Vous souvenez-vous ce qu'il a dit lors de la cérémonie et plus tard lors du dîner? I cannot recall the words that were used at the Je time. Ne me souviens pas des mots qui ont été prononcés. Vos parents ont-ils assisté à la cérémonie de mariage? Did your parents attend the wedding ceremony? No, they were not in attendance. They were not called to attend the ceremony, only the individuals to be married were called. Seules les personnes à être mariées avaient été convoquées. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la cérémonie à laquelle vous avez assisté et à l'occasion de laquelle vous avez été marié était différente ou similaire des cérémonies de mariage qui étaient pratiquées avant le régime du Kampuchea démocratique? Quelles étaient les similitudes ou les différences? No, it was nothing similar to the current practice of holding a wedding ceremony. Actuelle pour les cérémonies de mariage. Pouvez-vous donner à la cour un petit peu plus de détails pour qu'on comprenne pourquoi ça n'avait rien à voir avec les cérémonies actuelles? Y avait-il par exemple des moines? Y avait-il une possibilité de faire des offrandes? Y avait-il de la musique? Est-ce que vous pouvez un petit peu donner des détails sur les différences qu'il y avait entre les cérémonies à l'époque, celle à laquelle vous avez été, lors de laquelle vous avez été marié, et les cérémonies auxquelles vous avez assisté avant et après le régime du Kampuchea démocratique? What were the differences between the traditional ceremonies and the ceremonies under the democratic Kampuchea regime? It was not similar in nature at all. No. Currently, there will be a procession of offering. De nos jours, il y aurait there would be une procession, a session where it was called haircut ceremony, ensuite, and there would be sermons given by the monks, etc. Les moines qui the list of bénédictions, activities was at length compared to a very brief ceremony held during the regime. I'm not a woman of many words, so that's all I can describe to you. Beaucoup, c'est tout ce que je peux vous dire.
Je vous remercie, Madame le témoin, de tous ces détails. Je sais que c'est difficile de se replonger dans ces histoires qui remontent à très longtemps, donc vous parlez peu, mais nous comprenons ce que vous dites. Que s'est-il passé une fois que la cérémonie a été prononcée? Vous avez expliqué qu'il y a eu un dîner après. Que s'est-il passé après le dîner? Les couples avaient-ils l'obligation de passer la nuit ensemble, pour être très concret? Be specific about this. After the meeting and after the dinner, après la cérémonie et le dîner, we were requested to return to our respective house. On nous a dit de rentrer dans nos maisons respectives. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas passé la première nuit avec votre époux. Est-ce que j'ai bien compris le sens de votre témoignage? Is that what I must understand? Yes, that is correct. I returned home. Je suis rentré chez moi. Et y a-t-il eu un moment après cette première nuit où vous avez été réunis avec votre époux? Did you get together with your husband at any point in time? We were told to stay together for 3 days, and after that, we went our different ways to do our work assignment. À nos lieux de travail respectifs. And after that, we were allowed to meet each other every 10 days. Après quoi, nous pouvions nous retrouver à tous les 10 jours. Je vous remercie. Y a-t-il eu des miliciens qui sont venus surveiller votre maison lorsque vous vous êtes retrouvés avec votre époux dans les premières nuits du mariage? When you met with your husband during the first nights of your marriage? No one came. Non, personne n'est venu. Je voudrais vous lire un témoignage, c'est ce qu'a déclaré à l'audience le 26 mai la personne dont vous nous avez dit que vous la connaissez parce qu'elle vient du même village que vous, Mileho. Et cette dernière a également été mariée pendant le régime du Cambodge démocratique en 77, je crois, et elle a indiqué le 26 mai, et je vais vous lire ce qu'elle a déclaré. C'est le transcript E1/305, et nous sommes aux environs de 9h45. Après mon mariage, les miliciens sont venus nous surveiller. Ils sont venus voir si nous nous réjouissions, si nous avions célébré un rituel après le mariage, comme par exemple brûler de l'encens. S'ils nous avaient pris en train de brûler de l'encens, nous aurions été emmenés et exécutés. Et puis elle déclare un petit peu plus loin, nous sommes à 9h47-16, je n'étais pas la seule à avoir été surveillée par les miliciens. Les miliciens venaient surveiller tous les mariés. Est-ce que c'est une information dont vous aviez connaissance à l'époque, que des miliciens venaient surveiller les nouveaux mariés? Were you aware of militiamen coming to watch over the married couples? No, I was not aware of that. Non, je n'étais pas au courant. But I believed they did not. They did not come and do that. Je ne crois pas qu'ils soient venus faire cela. Êtes-vous resté avec votre époux? Vous avez indiqué tout à l'heure que vous étiez marié et que vous aviez deux enfants. Est-ce que ces deux enfants sont nés de l'union avec la personne avec laquelle vous vous êtes marié en 1977?
Yes. I bore the two children from the marriage with him in 1977. J'ai eu mes deux enfants de cette union avec lui en 1977. Vos enfants sont-ils nés pendant la période du Kampuchea démocratique, c'est-à-dire avant 79 ou après? Before 1979, or were they born after 1979? They were born in 19. One of them was born in 1981. L'un d'entre eux, enfin, un de mes enfants est né en 1981. Et je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, vous êtes toujours actuellement avec votre époux. So you are vous êtes toujours marié. Married now with that husband. Yes, oui. I remain married to him. I only have one husband. Je suis toujours avec lui, je n'ai qu'un seul mari. J'avais mal compris, madame le témoin, je ne savais pas si vous étiez toujours avec le même mari ou non. Lorsque, après la cérémonie de mariage, vous avez expliqué que vous aviez été marié avec 25 couples, est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir les personnes qui avaient été mariées ce jour-là avec vous? No, I have not seen them non. Since, as they were from various villages surrounding the village that I lived. Ils provenaient d'autres villages que le mien. Vous avez été le seul couple du village de Tro à être marié ce jour-là. The only couple from Tro village that got married that day, is that correct? There were two couples, including mine from Tro village. Du village de Tro. And we actually went to get married in Dong village at the time. Et nous sommes mariés dans le village de Dong. J'avais bien compris. I had understood that, in fact. J'ai juste une dernière question. I have one last question only. Saviez-vous à l'époque, did you know back then, si il était possible que des mariages soient célébrés for marriages to be celebrated entre personnes du peuple nouveau et du peuple de base? New people ou est-ce qu'il existait une règle qui faisait que les gens du peuple de base se mariaient entre eux et les gens du peuple nouveau se mariaient entre eux? Est-ce que vous étiez au courant à l'époque de l'existence de cette règle ou non? At that time, only old people were allowed to get married. À l'époque, seules les personnes and plus âgées. In fact, I believe there was a measure in place where new people would be allowed to get married with new people, but it did not happen yet in 1977. Mais ça n'était pas encore en vigueur en 1977. Et selon vous, quand cette mesure est-elle entrée en vigueur? When did this measure come into effect? I did not know about that. Je ne sais pas. Vous nous avez expliqué la cérémonie à l'occasion de laquelle vous avez été marié, les 25 couples dans le village de Dong.
Savez-vous s'il y a eu d'autres cérémonies de mariage organisées après la vôtre ou avant la vôtre aux alentours de 77 et lors de laquelle des habitants du village de Tro auraient également été mariés? No. Non. Donc, à votre connaissance, cette cérémonie de 25 couples est la seule qui s'est déroulée pendant le régime du Kampuchea démocratique. Est-ce que je comprends bien le sens de votre témoignage? Dans votre commune, j'entends. I'm speaking about, of course, your commune. Yes, that was the only occasion of the marriage ceremony, and I did not see any other ceremonies during the regime. La seule occasion, et je n'ai pas été témoin d'autres cérémonies de mariage sous le régime. Je vous remercie, Madame le témoin, d'avoir répondu à mes questions. Madame witness, for having answered my questions. Thank you, Mr. President. I am done. Le président. President Judge Lavange, you may proceed. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Deux petites questions pour le témoin, for the witness, pour faire préciser certains points de sa déposition ce matin. Clarify certain points in her testimony this morning. Peut-être que je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit, mais est-ce que vous pourriez nous dire si well lorsque vous étiez said, sur le site du barrage du 1er janvier, if when you were on the 1 January dam site, if you saw people who had been arrested, et est-ce qu'il y avait des personnes qui disparaissaient sur le site du barrage du 1er janvier at the work site? I never saw any workers. Je n'ai pas été témoin arrested. D'arrestation de travail. However, there was a disappearance of a Cham woman, and that was the Cham only case I knew at et the time of a disappearance. Enfin, le seul événement dont je pourrais parler, c'est le seul événement dont j'ai but été témoin. I never saw any workers being arrested. Jamais vu d'arrestation de travail. Vous avez également parlé you ce matin de la pagode de Wat Bharai Chandek. Wat Bharai Chandek pagoda this morning. Vous avez été témoin de ce que beaucoup de personnes avaient été conduites many people being led to that pagoda. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes or do you have que an vous idea of the number of être conduites who à la pagode were de Wat Bharai taken Chandek? To Wat Bharai Chandek, correct interpreter. I cannot give you a figure, but people were being taken to that location by vehicles and also by ox carts, and it happened usually in the early evening. C'était en général ou en début de soirée que cela se produisait. C'est quelque chose qui se produisait de façon régulière. Est-ce que c'était tous les jours? Did this happen every day? De temps en temps? Or did this happen from time to time? Can you tell us? It happened from time to time. C'était à l'occasion. And it did not happen on a daily basis. Est-ce que après la fin du régime du Kampuchea démocratique, after the end of the vous DK êtes regime, vous-même retourné à la pagode go de Wat Bharai Chandek? To the Wat Bharai Chandek pagoda? Yeah.
I returned to live in my house near that pagoda after the regime fell, and my house was not far from the fence of the pagoda. Pas bien loin de la clôture qui entoure la pagoda. Est-ce que vous savez si on a trouvé des cadavres bodies were found enterrés aux alentours de la pagode? Et si oui, est-ce que vous avez une idée du nombre de cadavres que l'on a trouvés autour de la pagode? After the regime fell, I saw four or five pits, but I cannot tell you the number of dead bodies in those pits, and the pits were pretty large in size. In fact, the pits were exhumed. Lorsque l'on a procédé and à skeleton remains, including scars, were collected as evidence of the crimes committed during the regime. En tant que preuve des crimes commis sur le régime. Et ces crânes, ces ossements ont été placés dans un stupa, un endroit particulier. Skulls or bones placed in the stupa, what happened to them? The skeleton remains are preserved in a stupa. Les ossements. And it is in the compound of that pagoda, and a ritual ceremony has been held since every year. À l'intérieur de l'enceinte de la pagode, et chaque année, une cérémonie, un rituel a lieu à cette stupa. Est-ce que dans votre famille, des gens disparu ou ont été exécutés pendant la période du Kampuchea démocratique? Were executed during the DK period? Non. During the period of Democratic Cambodia, none of my family members were killed. Sous la période du Cambodia démocratique, aucun membre de ma famille n'a été tué. Et dans le village, est-ce que parmi la population, among the villagers, du peuple ancien, or rather among il y a eu the des gens qui ont disparu village, pendant la période du Cambodia did démocratique? Anyone disappear during the DK period? There were some. Il y en avait quelques-uns. However, most of them were not base people. They were from the Mais other la plupart areas. D'entre eux n'étaient pas des gens du peuple de base. Ils étaient d'autres régions. Donc la majorité de ceux qui ont disparu pendant la période du Kampuchea démocratique et qui résidaient dans votre village étaient des gens qui venaient d'ailleurs, et des gens qui appartenaient au peuple nouveau. Est-ce que c'est bien ce qu'on doit comprendre? Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Most of them were new people. La plupart d'entre eux étaient des gens du peuple nouveau. Je vous remercie beaucoup, madame. Thank la témoin. You very much, witness. I have no further questions for you. Le président. Merci beaucoup. Monsieur le juge. President, thank you, Judge Lavange. It is now convenient to have our lunch break. We take a break now and resume at 1:30 to continue our proceedings.
court officer please assist the witness during the lunchtime. Apportez votre soutien. And invite her to return to the courtroom again at 1:30 this afternoon. Security personnel, you are instructed to take Kirsten Porn to the waiting room downstairs and have him return to attend the proceedings this afternoon before 1:30. The court is now in recess. Suspension of audience.